Mais durant ma grossesse, dans le fond, on a vu à l'échographie que les intestins étaient sortis. Au début, ils nous ont dit que c'était un avortement automatique. Quelques minutes après, il y a un médecin de Sainte-Justine qui nous a téléphoné en disant que ça se guérissait. C'était un petit miracle. Un miracle de Sainte-Justine. We've been coming to the Ronald McDonald House now since 2012. It's going on 7 or 8 years. The night we brought little G into the hospital, he was covered with bruises. They did some blood work. We sat down with the doctors in his office, basically told us our son has SCID, which is severe combination immune deficiency. It's definitely had a positive impact staying at Ronald McDonald House. Very comfortable and it's stress-free. Belle Manon a fait en sorte qu'on puisse passer plus de temps avec elle. T'sais, si on est à la maison, c'est 1h30, 2h de temps qu'on prend dans l'auto. Le manoir, au moins, était directement ici. À tous les jours, on peut s'emmener. Ça prend 10 minutes à partir de sa chambre. Once you're there, you're able to do whatever you would do at home. You know, and you feel like you're at home. And the good thing is about it, you have other people there sharing the same stories as you. T'as des soupers communautaires, t'as ta chambre privée, t'as des salons, t'as du monde qui peuvent t'aider. On a beaucoup moins à se déplacer, beaucoup moins à payer d'essence, beaucoup moins de nourriture à payer. Ben, c'est là que tu vois l'importance des dons, tu vois l'importance du manoir. The expectations, they went above it. Ever since then, it's been nothing but good things. Chaque jour qu'on a passé ici, ça va être gravé, pour Rose comme pour nous.